Écoute, bonjour à toi, Mathieu. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Cette année, tu étais en N2, c'est ça Tu as une carrière de footballeur. Tu peux nous en dire un peu sur ton parcours un peu ouais, euh, J'ai commencé à Versailles quand j'avais 8 ans. Euh, j'ai passé jusqu'en 13 premières années. Euh, après, par la suite, il euh, y avait la CBB qui m'a contacté. du coup Après, j'ai passé 3 ans à la CBB jusqu'en 14 fédéraux. Après, j'ai eu la chance d'intégrer pendant deux ans euh, la mia Par la suite, après, j'ai intégré aussi Guingamp pendant un an. Après, avec, un, avec euh, Guingamp, j'ai eu la chance aussi d'intégrer la sélection euh, du Portugal U18, ce qui m'a ouvert un peu des, des portes, euh, on va dire, sur le, sur le championnat portugais. Du coup, après, un agent, il m'a emmené euh, au Portugal. Euh, J'avais le choix entre Guimaraes et Porto. Après, comme c'était ma dernière année du 19, j'ai fait, fait le choix d'aller euh, à Guimarèche. Euh, ça s'est bien passé, j'ai fait une saison complète. Après, sur les trois derniers mois, euh, euh, j'ai eu la chance d'intégrer le groupe pro sans, sans, sans jouer de match, mais juste pour les entraînements, etc. pour commencer déjà à le découvrir. Après, par la suite, y a eu, euh, y a eu, euh, le club il était pas mal endetté au niveau de l'argent à cause du transfert de bébé qui était parti à Manchester United. Du coup, la direction, elle a, elle a, un peu changé, pas mal changé, et euh, il voulait faire un peu sur le même modèle que l'Athletic Bilbao, qu avec des joueurs formés, formés au club et qui habitaient dans le coin. Et du coup, comme j'avais fait qu'un an au club, j'ai dû quitter le, j'ai dû quitter le club, trouver un autre, un autre challenge, etc. Et du coup, après, j'ai rebondi, j'ai rebondi en France, en CFA à Beauvais. C'est pas trop bien passé, ils faisaient jouer beaucoup les jeunes. Euh, après, par la suite, bah, j'ai été recontacté par des clubs portugais. Je suis parti au Portugal. Euh, j'ai fait une année en, en national. On est monté. Euh, après, j'ai été contacté par des clubs de Ligue 2. J'ai signé pro. Après, en national, parce qu'avec les clubs de Ligue 2, la CBB, il m'a mis euh, pas mal de bâtons dans les roues au niveau de, des droits de formation. Parce que je n'ai pas, pas pu signer à cause des droits de formation. Ça s'est levé euh, à peu près à 170 000 euros. Il y a des clubs c'est classé par catégorie 1, 2 et 3. Catégorie 1 c'est 30 000 une année. Catégorie 2 c'est 20 000. Catégorie 3 c'est euh, 10 000. Catégorie 3 ça équivaut à la CBB par exemple. Catégorie 1, ça équivaut comme un club comme le PSG. Et catégorie 2, on va dire que c'est un club euh, pro qui essaye de s'en sortir. On va dire un peu comme euh, club comme Béziers ou des trucs comme ça qui sont en Ligue 2 et qui veulent monter. Et, euh, et du coup, ça, ça représente un peu ça. Du coup, après ça s'est élevé à 170 000. Je pas pu signer pro. Du coup, il y avait... Euh, en ligue 2, du coup après il y avait une magouille qui disait que je pouvais signer dans un club pro en national pour enlever tous ces droits de formation là du coup j'ai signé en national, après j'ai rebondi un peu là-bas après je suis revenu en France parce que ma mère elle avait quelques problèmes de santé j'ai signé à Mantes en CFA après le problème c'est que quand tu passes du monde pro au monde amateur c'est difficile c'est très 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 difficile et, euh, et du coup après j'ai arrêté le foot carrément un an et, et après, après avoir un an, ça me manquait un peu. Du coup, j'ai repris, euh, repris au PSG. Au début, c'était avec la R1. Après, j'ai intégré la N2. En, de R1, on est monté en CFA2. Et avec la N2, euh, j'avais mis le but du maintien aussi. Et du coup, après, par la suite, bah, j'ai intégré ça euh, nom cette année. Et du coup, en même temps, en parallèle, ça fait 4 ans, euh, ça fait faire 4 ans en septembre que je suis chez Nike. C'est-à-dire quand j'ai signé au FC Montois, mais. En CFA, mes entraînements, ils étaient qu'à 19 h Du coup, j'avais le temps de la, durant la journée de, de faire quelque chose. Et à vrai dire, j'avais tra jamais travaillé auparavant. Je, ça me faisait un peu peur de travailler. Je me disais, est-ce que je vais, je vais tenir Parce qu'au final, le foot, c'est plus une passion qu'un travail. Pour moi, c est, c est, on est rémunéré pour ce qu'on fait, mais c'est avant tout un plaisir. On prend du plaisir pour ça. Quand tu, quand tu sors du foot et d'aller dans le monde du travail, finalement, on te dira finalement, j'ai un boss. Et t'es même pas autant entrepreneur ou des trucs comme ça. C'est difficile. Et euh, au final, je pense que si ça n'avait pas été Nike, je n'aurais pas, pas tenu 4 ans parce que c'est vachement, vachement lié au sport. C'est vachement lié au sport, même dans leur processus dans leur process interne. Donc en, en soi, c est, c est, franchement, c'est pas mal. Tu as beaucoup voyagé, tu as beaucoup changé d'équipe, tu as quitté très tôt de chez toi pour aller dans des centres de formation. C'est quoi ta relation avec le football aujourd'hui Ma relation avec, une avec le football je pense qu'elle a été plutôt bonne. Je lui ai beaucoup donné. On va dire que j'ai quitté chez moi, j'avais 15 ans. Euh, ça m'a évité pas mal de, de, de problèmes aussi, on va dire. Parce qu'on connaît quand on est jeune, quand on vient du quartier, etc. On a pas mal, euh, on a pas mal tendance à faire quelques conneries, etc. Bah, ça m'a appris pas mal de valeur. Surtout quand je repense à, aux années que j'ai passées à Amiens, où euh, par exemple on était noté sur la propreté de nos chambres. On devait être ponctuel, on avait des horaires. Euh, ça m'a appris aussi pas mal de rigueur. Ça m'a appris aussi euh, bah, à savoir ce que c'était. Je connaissais déjà, je savais que j'aimais pas perdre. Mais encore plus quand tu es dans un centre de formation, ça m'a appris aussi à, à vivre tout seul très jeune et à devoir euh, connaître un peu le système D se débrouiller tout seul sans l'aide de, de sa famille autour. Surtout que moi, j'en avais besoin, surtout à l'âge de, de 15 ans. Peut-être que je n'aurais pas dû peut-être partir aussitôt, peut-être que j'en avais besoin encore un peu. Mais euh, en tout cas, tant qu'on ne le quitte pas, on ne peut pas le savoir. Et, euh, et ouais, vis-à-vis -vis de ça, bah, la relation que j'ai eue avec le football, elle m'a permis de voyager aussi. Elle m'a permis de, de connaître différentes cultures. Surtout vis-à-vis -vis du football. Dans notre équipe, on a, on a plusieurs collègues et ils viennent de plusieurs pays dans le monde entier. Euh, je m'en souviens encore quand j'étais à Guimard et j'avais des, Bré euh, des Brésiliens, j'avais des Nigérians, j'avais des Ghanéens, j'avais des Guinéens, etc. Donc au final, ça te permet de développer des langues. Ça te permet aussi de, de voir les comportements, comment certains fonctionnent, etc. Et, et franchement, c'est franchement, cool. C'est cool. Donc tu as quitté tout de chez toi. Quel rôle ton entourage aujourd'hui joue ou il a pu jouer dans ta carrière J'ai quitté très tôt chez moi, on va dire. Après, mon entourage, il a, il a eu un rôle important dans le fait que, du coup, ils étaient toujours autour de moi quand j'avais des questions, des choix à faire. Ils ont toujours été là pour, pour m'aiguiller. Et quand tu es dans le football, il faut toujours avoir une base solide. Parce que des fois, ça part un, un peu dans des montants dans des montants très élevés. Du coup, il faut avoir, faut avoir la tête sur les épaules. Et on va dire que la famille, ça t'aide pas mal à ça, à garder la tête sur les épaules. C'est pour ça que c'est super important, parce que dans le football, on va dire que c'est un, un monde qui, qui attire beaucoup d'argent. Et qui dit un monde qui attire beaucoup d'argent, ça attire beaucoup de personnes qui ne sont, qui sont pas là pour ton bien, mais plus pour ce que tu peux apporter. D'ailleurs, si on parle d'agents, on va dire que certains agents, c'est difficile de trouver des agents avec qui tu peux avoir une relation amicale avec eux. Plus, ils te voient plus comme de l'argent que comme une personne. Donc c'est difficile. Donc on va dire que la famille, ben, ça te permet de... De garder la tête sur, des épaules, sur les épaules, de, de, de faire les bons choix. Et puis voilà, c'est ça, c'est important. Tu as connu des hauts, des bas. Est-ce que tu as besoin de te motiver ou est-ce que tu te motives seul La motivation vient seule parce que c'est ta passion. Non, en je pense que la motivation, elle vient dès le début. Après, il y a des choses qui la motivent. Par exemple, je vais te donner une anecdote. Quand j'ai commencé le foot à Versailles, quand j'avais 8 ans, c'était un peu ma mère qui m'avait inscrit par pur hasard. Au début, je n'aimais pas trop ça. Euh, je m'en souviens, c'était la Terre rouge <laughs> sur laquelle on s'entraînait. Ça veut dire que quand il y avait les entraînements, je faisais des petits châteaux de sable et tout. J'étais plus là pour rigoler, pour m'amuser et passer le temps, etc. Sauf que la deuxième année que j'ai passé à Versailles, euh, les amis que j'avais fait au foot, eh ben, ils sont tous montés en équipe A. Et moi, ils m'ont mis en équipe B. Ça veut dire que j'ai pas du tout aimé. Et, euh, et du coup, pour les retrouver, bah, j'ai dû commencer à jouer. Et euh, bah, au final, j'ai commencé à jouer, à jouer. Après, j'étais surclassé. Et au final, bah, je suis même devenu meilleur que par la suite. Et au final, bah, tu peux être motivé, mais il y a certaines choses qui vont te donner une motivation en plus. Tu vois et du coup, c'est ça qui va, qui va t'aider à, à t'exceller sur, sur d'autres domaines. Donc, c'est pour ça. Après, motivation, non, c'est quelque chose que, que j'ai. Enfin, c'est plus par rapport à ma famille. Euh, on est arrivé, on n'avait pas grand-chose. Et euh, avec du travail, on est arrivé avec des choses. Ça veut dire que j'ai l'habitude de, de venir avant à l'entraînement. Après, avec le travail, c'est difficile d'arriver en premier comme je faisais auparavant et d'aller partir en dernier. Mais sinon, j'ai toujours eu ce principe-là d'arriver en premier à l'entraînement et d'arriver en dernier, d'aller sur le terrain en premier. De, de m'entraîner sur, euh, sur des choses pour les perfectionner. Parce que quand tu t'entraînes dur, après, le combat, il est plus facile. C'est toujours ce qu'on dit. Donc, euh, donc ouais, j'avais l'habitude de, de faire ça. Et même encore là, quand, quand, quand j'étais à Saint-Noix sur cette année-là. Donc, ouais, ça, sur ça, c'était plutôt cool. Et la motivation, ça vient. Justement, pour en revenir sur Saint-Noix, comment tu as pu en fait, te mettre en avant pour avoir un contrat Qu'est-ce qui a fait la différence sur toi tes échanges vis-à-vis euh, -vis de ça pour, pour avoir un contrat à saint nois et même sur les autres contrats que, que j'ai eu on va dire que c'est plus ce que tu fais par rapport enfin euh, durant la saison plutôt c'est ça qui va pouvoir faire que tu vas te démarquer par rapport aux autres on va dire que si tu vas si tu vas jouer dans un club qui est dans les derniers même si tu te démarques tu ne vas pas avoir forcément beaucoup de stats comparé à ceux qui vont jouer dans les premiers. Ton club il va jouer la descente. Donc forcément, il va y avoir moins de personnes qui vont regarder ces matchs. Tandis que quand tu es dans des clubs qui jouent la montée, euh, dans lesquels tu joues tout le temps, dans lesquels tu as des stats, bah, ça te permet à la fin de l'année de ne pas avoir toi-même à chercher des clubs et c'est eux-mêmes qui t'appellent. Après, par exemple, je vais te donner le dernier cas de, de Saint-Nois. Et il n'y avait pas eu que Saint-Nois, il y avait eu beaucoup de clubs. C'est euh... du coup avec le PSG, j'ai eu... Euh... J'ai eu des bonnes stats, j'ai beaucoup marqué, j'ai fait beaucoup de passes décisives, on est monté en CFA 2 avec la R1, après, euh, après avec la N2 j'avais mis but du maintien, du coup il y avait pas mal de clubs euh, qui m'ont contacté, que ce soit pro, que ce soit en France. Le problème c'est qu'après j'arrive euh, à un certain âge où je me dis que j'ai eu aussi euh, l'aventure aussi à côté avec Nike, qui m'a pas mal euh, ouvert de portes aussi. Du coup si je partais en pro, ça... Aurait pu me faire recommencer depuis le début si, si je revenais après à recommencer dans un autre travail ou etc. Du coup, j'ai préféré pas risquer. Et au final, avec, euh, avec les deux, entre Nike et, euh, et le foot, au final, bah, tu trouves ton compte aussi au niveau, niveau salaire. Des fois, pas besoin de partir à l'étranger, d'être loin de ta famille, etc. Et comme moi, j'aime beaucoup ma famille, on va dire que je suis obligé d'être proche d'eux. Tes échanges avec les clubs pros ou tes échanges quand tu étais plus jeune tu avais un agent ou c'était de toi directement qui euh, parlait avec les clubs ou ta famille On rebondit sur le fait que la famille c'est très important. On va dire que ma mère elle est, elle, est, elle est secrétaire donc elle a pas mal accès au téléphone. Après elle n'avait pas le droit de faire trop trop ça. Mais euh, du coup elle restait en plus euh, au niveau de son travail des fois parce que moi j'ai jamais voulu avoir d'agent quand j'étais petit. Franchement, agent c'est bien quand tu es pro, quand tu as besoin de négocier des contrats pro, etc. Mais quand tu es jeune, tu as pas forcément besoin. Et, euh, et du coup bah du coup mon agent c'était un peu c'était un peu ma mère euh, elle n'avait pas grande connaissance du foot mais comme elle m'accompagnait depuis tout petit sur les terrains etc bah, elle a appris cette, euh, cette connaissance du foot et par la suite du coup bah quand j'en avais besoin d'avoir des contacts de clubs elle allait sur les sites elle appelait les clubs après bah du coup les clubs ils lui donnaient tel ou tel numéro du directeur du recrutement etc du coup après elle appelait le directeur du recrutement qui lui disait que tel club allait rechercher etc du coup bah c'était un peu bouche à oreille et et voilà. Bah, par exemple, la deuxième année, les deux années que j'ai passées à Amiens, quand j'ai rebondi après à Guingamp, bah, c'est elle qui a trouvé le contact de Guingamp. Aujourd'hui, les vidéos vidéocompilations, elles jouent un rôle important. Voilà, les joueurs se mettent en avant avec des vidéos. Est-ce que tu peux un peu nous parler des vidéos et ce qu'il faut mettre en avant Ou ce que toi tu mets en avant. Euh on va dire que ouais les, les compilations du coup elles jouent un rôle important dans le foot on va dire moi en France parce que la plupart du temps euh, en France les clubs les entraîneurs etc ils se connaissent un peu tous donc ils peuvent de demander des renseignements à droite à gauche on va dire que les compilations de foot elles sont importantes quand tu veux apporter un plus on va dire des preuves sur tes qualités footballistiques parce qu'il y a des clients qui n'ont pas eu la chance de voir il y a des clubs pro où les entraîneurs c'est des étrangers donc ils peuvent pas parler avec les clubs français qui parle français, etc., elle doit aller droit au but. Parce qu'une vidéo qui fait 15 minutes, il ne va jamais regarder les 15 minutes de ta vidéo. Ça veut dire que dedans, tu vas mettre là où tu as fait des bonnes actions. Par exemple, moi, je parle en tant que milieu. Mais si tu es en défenseur, tu vas mettre les actions défensives, tu vas mettre les bonnes passes que tu as fait. Euh, si tu as marqué des buts, si tu as fait des passes décisives. Après, passe décisive, but en tant que défenseur, c'est plus difficile, mais ça peut arriver. Mais moi, en tant que milieu, dans mes vidéos, j'ai tendance à mettre un peu mes, mes dribs, mes skills. Euh, mais les actions, les décalages que je fais, euh, les jeux en équipe aussi que j'ai pu, pu initier et conclure, les buts et, euh, et puis les passes décisives. Après, tout ce qui est défensif, tu peux mettre, mais ce qui compte, c'est quand tu recrutes un attaquant, c'est les buts, les passes décisives. Les, les défensifs, au final, ils peuvent te le faire travailler après par la suite. C'est mon regard. Tu travailles à côté avec Nike. Tu peux un peu nous parler de ton aventure avec Nike alors comme je vous ai dit, ça fait 4 ans que, que je travaille à Nike, euh, j'ai commencé en tant que, que vendeur au Nike Factory de, de plaisir, j'ai passé 2 ans, après je sentais que, que j'avais besoin de passer un step euh, au-dessus, et comme, euh, comme le, le Nike Deschamps c'était un flagship, du coup après euh, je suis parti sur le Nike Deschamps, et après je suis passé euh, manager, ça va faire maintenant un an, ça fait un an en février que je suis passé euh, manager là-bas, après travailler à Nike et jouer au foot c'est difficile mais on va dire que Nike ils peuvent t'arranger sur les, sur les horaires mais après il faut que aussi tu sois performant aussi sur ce que tu montres aussi à Nike faut, le plus dur c'est d'être performant sur les deux après par exemple j'ai donné une journée type et c'est difficile hein c'est difficile parce que faut avoir une bonne hygiène de vie faut te coucher tôt euh, faut pas faire la fête si tu veux la faire la fête c'est de temps en temps pas, pas tout, tous les jours comme ceux qui pas de foot à côté etc ils font c'est un rythme qu'il faut tenir. Je vais te donner un exemple. Euh, L'année dernière, avec le PSG, j'étais avec la R1. On avait trois entraînements par semaine. Les entraînements, ils étaient à, ils étaient à 19h30. Mais le problème, c'est quand j'ai commencé avec la N2. Je suis avec la N2. Les entraînements, c'était le matin. Du coup, c'était quoi mon rythme je me, levais à, je me levais à 7h30. Je passais chercher un ami qui habitait aussi à Trappes, qui était avec la N2. Du coup, on allait tous les deux ensemble jusqu'au camp des loges. Euh, on arrivait là-bas pour 9h, parce que du coup le matin il y a les bouchons, etc. Donc il faut, faut pouvoir anticiper ça, parce que si on arrive en retard, on avait aussi les amendes. faut pas payer aussi les amendes, sinon la journée elle commence mal. Euh, après, euh, on arrivait à 9h, on avait un espèce de petit brunch au PSG, plutôt pas mal. On devait s'habiller après le brunch, aller voir les kinés, aller en salle, pour que l'entraînement commence à 10h. Après 10h, on allait en prévention, muscu avant d'aller sur le terrain. Et 10h30, l'entraînement est commencé finissait tout le temps vers euh, entre midi, midi et demi. Après, par la suite, bah, eux, ils pouvaient aller dormir. Ils pouvaient aller dormir, récupérer, regarder des séries, aller voir leurs potes, etc. Moi je mangeais un truc au centre vitré et je commençais soit à 14h, sauf que quand c'est passé en horaire d'été, ça commençait à 15h. Donc quand je commençais à 14h, je finissais à 22h. Et quand je commençais à 15h, je finissais à 23h. Et ça rebelote. Tous les jours, j'avais que pause le vendredi ou euh, le mercredi où je n'avais pas d'entraînement. Au final, j'avais ça tous les jours, en plus des, des trajets le, le samedi quand tu devais aller jouer en Bretagne ou que tu partais le vendredi la veille ou des trucs comme ça. Donc ouais, c'est le rythme, il est, il est soutenu. Et si t'es pas solide dans ta tête et si tu n'as pas une bonne hygiène de vie, la blessure, elle arrive très, très vite. Très, très vite. Tu peux me dire le meilleur joueur avec qui tu joué et qu'est-ce qui le rendait si spécial Alors... Euh... Moi, je suis un joueur qui aime beaucoup les joueurs qui travaillent, on va dire. Et même dans la vie au général, je ne suis pas forcément obligé d'apprécier tout le monde. Mais on va dire que si je vois que tu charbonnes et que tu es un travailleur, déjà, tu as tout mon respect. Donc, déjà, je t'apprécie sur ce fait. Et euh, sur ce fait-là, du coup, quand j'étais à j'avais quand j'avais euh, 18, j'allais sur mes 19, j'ai connu quelqu'un là-bas, il s'appelait Ricardo Pereira. Et il avait eu pas mal, il avait commencé au sporting. Après, euh, Sporting, il n'avait pas conservé, il avait rebondi sur un club de National Ligue 2 qui n'avait pas beaucoup de moyens navals. Et après, il avait signé à Vitoria Guimarães la même année que moi. On est arrivé au même moment. Il a fait une bonne saison, il est monté avec les pros, il a fait quelques matchs par, euh, par la suite. Après, la saison d'après, il était dans le groupe pro, il a marqué. Il a marqué le but décisif qui leur a fait gagner la Coupe du Portugal en finale contre Benfica. Après, il a signé à Porto. Porto, ça ne se passait pas trop bien parce qu'au début, il ne jouait pas beaucoup. Il était, euh, il était milieu droit. Ils l'ont mis latéral droit. L'entraîneur, c'était euh, Lopetegui, qui a pris après la sélection espagnole, etc. Et, euh, et euh, il ne le faisait pas trop jouer. Je m'en souviens que le déclic, un moment où il a dû, ça lui a fait le déclic qu'il devait trouver un, un autre club, ça a été quand, quand c'était un match de quart de finale, je crois, à la Ligue des Champions, quand c'était Porto-Bayern-Munich au Bayern. Où il n'y avait plus le latéral droit qui s'était blessé, du coup c'était lui qui devait jouer et il a fait le choix de mettre un, un défenseur central latéral droit. Du coup ça a été le déclic. Et l'année d'après, il a été prêté deux ans à Nice. Nice il a tout cassé, il est revenu un an à Porto et là il a Leicester. Il a l'Estor, il, il joue tout le temps en première ligue. Et euh, ce qui a fait la différence chez lui, c'est son humilité surtout. Et c'est ça, c'est cette caractéristique que j'ai appréciée parce que ce qu'il faisait c'était dur, il n'y avait pas tous les joueurs qui le faisaient. Et il ne disait jamais ce qu'il faisait. C'est-à-dire qu'il travaillait, travaillait, et il, se laissait, il laissait les personnes se faire le bruit pour lui. Et lui il se concentrait vraiment que sur le foot, et sur son hygiène de vie aussi, parce qu'il ne sortait pas, il n'était pas là sur les sur les conneries que les autres footballeurs pro s'attachent, par exemple la fête, les filles, etc. Non, non, non. Il était vraiment focus que sur le foot. Et euh, bon, aujourd'hui, c'est ça qui fait qu'ils vont en sélection, et que c'est l'un des meilleurs latérales du monde. Donc tu as dû jouer des matchs très importants Comment tu gères le stress ou la pression Je pense que dans tout match difficile, tu... quand tu fais les choses à cœur, tu es obligé d'avoir un peu de pression. Après, avec l'expérience, au fil des années, etc., la pression, petit à petit, elle s'en va. Enfin, elle est toujours là, mais tu la, tu la ressens moins. Perso, moi, je sais que j'en ai, mais je ne la ressens plus. Je ne ressens plus cette pression. Après j'avais euh, bah, du coup c'est toujours mon beau frère. Un jour il m'a dit une phrase, Tu as tout à gagner mais t'as rien à perdre, on va dire. Et ça, ça te permet de, de te libérer durant les matchs. Et au final c'est vrai, tu t'as quoi à perdre. Au final le football c'est quoi Tu prends du plaisir, tu viens, tu fais ton match et tu rentres à la maison. Et tu t'amuses avec tes potes, tu vois tes potes, tu gagnes des matchs, après ça t'arrive de perdre. C'est de perdre le moins possible aussi, c'est important. Mais au final, quand tu te mets dans la tête que tu as tout à gagner, rien à perdre, et, euh, et bah c'est ça. Par exemple, cette année à saint noix j'ai moins pensé comme ça, ça s'est moins bien passé. Par exemple, à la, au PSG, j'ai toujours pensé comme ça et ça s'est bien passé. Tu as connu la sélection jeune du Portugal, tu as connu le PSG, des institutions. C'est quoi en fait la différence entre ces clubs et les autres au niveau du professionnalisme et de l'approche du football Si je peux comparer, on va déjà commencer par là. Quand tu joues dans un club pro, quand tu joues dans un club pas pro, déjà ça quand es dans un club pro tu as cette image que tu renvoies donc forcément c'est différent on va dire que si je te prends l'exemple du PSG quand je joue au PSG j'arrive sur le terrain j'avais même pas l'arbitre il a même pas encore sifflé le match que tu voyais les adversaires ils te regardent avec des gros yeux ils analysaient un peu ton style ta dégaine ils se disaient ah ouais lui il a une dégaine ça veut dire il est peut-être chaud tout ça il va mettre des petits dribbles en fait le PSG il y a cette image que déjà ils ont déjà depuis des années le PSG aussi a l'image de de Quand tu vas jouer le PSG, tu sais très bien que tu vas pas beaucoup toucher le ballon. Tu vas justement faire une petite, une petite technique de contre-attaque, etc. Et du coup, quand tu joues, bah, jusqu'à ce que tu montres que tu n'es pas bon, tu bah, as carte blanche. Tu as carte blanche pour montrer tout ce que tu as montré. Et, euh, et on va dire que ouais, ça te permet d'avoir plus de, de facilité, mais c'est aussi une certaine responsabilité. Parce que quand tu n'es pas bon et que tu joues dans un club comme ça, tout le monde s'en souvient. T'as connu beaucoup de monde dans le football, tu as rencontré beaucoup de monde. Est-ce que tu es toujours en contact avec ces personnes Est-ce que ces personnes aujourd'hui sont venues devenues des amis ou c'est fini On va dire que ouais. On peut répondre que ouais. J'ai gardé pas mal de contacts avec mes anciens collègues du foot du coup. J'en ai Levski Sofia, j'en ai Olympiakos, Lester comme j'ai dit auparavant, j'en ai un peu partout. Brésil aussi, etc. J'ai toujours gardé contact avec eux. Après, c'est difficile. C'est difficile euh, de garder ce contact amical. On va dire que ça passe pas mal par les réseaux. C'est pour ça que les réseaux c'est plutôt pas mal. C'est difficile parce que aussi ils ont des vies de famille. Maintenant ils ont des enfants. Euh, ils sont pas mal demandés par leur club. Ils ont pas. Des fois ils n'ont pas beaucoup de temps. Et même le temps, le peu de temps qu'ils ont, ils le consacrent forcément plus à leur famille. Mais ouais, on trouve toujours du temps, du temps pour se parler, pour s'appeler en physio, en visio prendre des nouvelles l'un de l'autre. Et même moi, quand j'ai du temps, parce que même avec Nike et le foot, j'ai pas forcément de temps, j'ai pas beaucoup de week-ends de libre. Mais, euh, mais ouais, des fois, il faut, faut prévoir un petit, un petit voyage en avion pour aller voir un petit match ou, ou des petits trucs comme ça, c'est important. Maintenant, ce que tu peux me dire, ta plus belle expérience en tant que joueur, c'est-à-dire de tes débuts à la fin, ta plus belle expérience Ma plus belle expérience, ça va être facile à dire. C'est euh, quand je suis parti en sélection du Portugal. Et en plus c'était la première fois que, que j'y allais. C'était euh, un stage pour préparer le match euh, contre, la, contre la Turquie. Et euh, en plus de ça, pourquoi c'est ce que j'ai préféré dans toute ma carrière de foot C'est parce que c'était la première fois que, que je découvrais la sélection. Et on va dire que c'est le top. Pour moi, il n'y a pas, pas au-dessus. À part si tu gagnes une Coupe du Monde ou une Ligue des Champions. Mais c'est la sélection, c'est vraiment ce qu'il y a le de plus fou et autre chose que j'ai kiffé en fait c'est que ce qui permis d'aller avec une personne et du coup bah, la personne qui m'a accompagné forcément c'était ma mère donc c'était plutôt pas mal et en plus de ça bah, elle m'a pu m'accompagner à tous les entraînements regarder tous les entraînements et à la fin du coup du du stage j'avais plus d'avion pour rentrer pour rentrer en France avec elle et du coup ils m'ont transféré dans son hôtel et du coup après on a passé passé la soirée à l'hôtel ensemble etc donc ouais c'est on va dire que c'est aussi une récompense pour moi, mais aussi pour elle, pour tous les sacrifices qu'elle a fait, du coup, bah, de pouvoir m'accompagner depuis, depuis tout jeune. Parce que quand tu es petit, tu fais pas mal de tournois à droite et à gauche. Des fois, tu vas faire des tournois en Normandie, etc. Et elle, elle ne voulait jamais me laisser. Mais en plus, au final, elle ne connaissait pas trop le foot. Et au final, je pense qu'elle s'y connaît plus qu'un garçon, même dans tout ce qui est contact, etc. Et euh, au final, bah, c'était une récompense pour moi et aussi pour elle. Et... Euh, et ça m'a permis de, de partager cette expérience avec elle et de la découvrir tous les deux en même temps. L'expérience la plus dure ou le moment le plus dur de ta carrière Je vais t'en dire deux. La première, c'est quand, comme je t'ai dit, j'ai quelqu'un qui est vachement attaché à ma famille. Parce que tous les week-ends, on se regroupe, on est obligé de manger ensemble, etc. Ou de se voir assez souvent, ou au moins de s'appeler. Et on va dire que c'est quand j'ai dû quitter chez moi. Je ne faisais même pas mon lit chez moi. Et je devais aller au centre le faire, tu vois. Et. Euh, et au final, bah, ça a été ça le plus dur du coup de quitter ma famille, de pas les voir euh, pendant des mois, etc. Et même quand je les voyais, c'était sur euh, un laps de temps d'une heure, donc c'était assez difficile. Du coup, quand j'avais euh, j'avais un week-end de libre, je fonçais direct, je prenais le train, ça va que à Amiens, c'était que une heure. Mais ouais, c'était difficile. Et l'autre chose le la plus dur, tu vas dire que c'est que ma famille, mais c'est ma première année à l'étranger. C'est quand ma mère m'a laissé à Guimaraes, elle m'avait accompagné à Guimaraes et elle m'a laissé là-bas. Elle était là, est-ce que tu veux rester ou tu veux revenir en France, etc. Et je dis non, je reste. Je dis je reste, au final si ça ne se passe pas bien, je résilie mon contrat et je rentre. Et euh, elle, elle était partie. En plus, elle avait fait le trajet euh, parce qu'elle avait passé des vacances au Portugal comme chaque année. Et elle faisait tout le temps le trajet en voiture. Donc du coup, tu voyais sa voiture blindée de des valises, etc. Et du coup, elle, elle prenait le trajet. Et moi, j'étais là devant la porte. J'étais resté pendant une heure. Je ne bougeais pas de la porte. Je regardais comme ça la voiture qui partait au loin. Et je dis, ah ouais, finalement, je vais rester tout seul. En plus de ça, bah, pas tout seul en France, parce que ça, j'avais eu l'habitude. Mais du coup, tout seul à l'étranger, tout seul, c'est différent. Et du coup, ouais, ça, ça a, été, ça a été une étape, euh, une de plus, on va dire, mais qui a été plutôt difficile. C'était plus l'arrachement de, de elle partir loin, etc. Et tu nous as amené un, un maillot aujourd'hui. Ouais. Tu peux un peu nous parler du maillot, de ce qu'il représente pour toi ouais. Du coup, je vous le montre avant d'en parler. C'est un petit maillot. Je pense que si maintenant je le mets, il ne me va pas. Ça fait un croque-top pour les filles. Tiens, je te le laisse. J'aurais pu en ramener d'autres. J'aurais pu ramener des maillots de quand j'étais pro ou, ou d'autres maillots, par exemple, même ceux du PSG, etc. Mais, euh, mais du coup, j'ai fait ce choix parce qu'il est pas mal, pas mal sentimental. Parce que c'est mon premier maillot. Je pense que si j'aurais pas eu ma mère encore une fois, je ne l'aurais pas gardé. Celle qui, euh, qui a gardé tous les maillots à la maison. Je m'en souviens, on s'était battu pour le 7. Du coup, je mettais tout le temps le 7. Euh, c'était moi qui devais l'avoir. Mais du coup, il y avait toujours des petites bagarres parce que personne ne voulait le 13, le 14, <laughs> etc. Mais j'avais gardé le, le 7 et c'était mon premier maillot. Et du coup, ça a toujours une petite saveur quand c'est le maillot avec lequel tu as commencé. Et je pense que. Plus tard, si j'ai un enfant ou quelque chose comme ça, bah, je lui montrerai. Après, porter, je sais pas, parce que les, temps, les enfants, ils vont me le bousiller ou pas. Mais ouais, on verra. on verra. S'il y avait une chose que tu aurais pu faire différemment dans ta carrière, ça serait quoi hmm, Si j'aurais pu changer une chose, on va dire qu'il y a beaucoup de clubs en France il y, y a beaucoup de joueurs. Des fois, on est souvent vu comme. Euh, pas comme des joueurs, mais comme, euh, comme de la monnaie. Comme, euh, comme un revenu plus tard, sur, euh, un retour sur investissement. On investit du temps sur toi et après, bah, ça va récolter de l'argent, ou etc. Et, euh, et, du coup, euh, et du coup, il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup, il y a beaucoup de clubs. Et moi, j'avais tendance à ne pas être patient sur ce fait-là. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un truc qui n'allait pas dans un club, bah, j'avais tendance à faire Marcher mon petit réseau et à commencer à voir à droite et à gauche, etc. Et en plus de pas être patient, j'avais besoin de quand je voulais quelque chose et j'estimais avoir travaillé pour, je, je voulais ce que je, ce que je devais avoir. Et des fois, j'aurais dû manger plus mon pain noir, comme certains qui aujourd'hui sont pros ou qui gagnent beaucoup plus d'argent, etc. Après, c'est pas une façon en soi. Hein. Tout, du... Je pense que la fin en soi, c'est d'être heureux et trouver son équilibre. Après, euh... Après, ouais, je pense que j'aurais dû faire preuve de plus de patience, patience à certains moments. Et surtout sur les choix de mes clubs, etc. Et il y a un agent un jour, je m'en suis souvenu, il m'a dit euh, des fois pour faire un pas en avant, il faut en faire deux en arrière. Des fois, tu te dis qu'en faisant deux en arrière, tu vas, tu vas perdre beaucoup. Mais des fois, tu vas plus gagner que si tu avais fait euh, l'inverse. Et c'est pour ça que c'est important. Un conseil à donner à un jeune qui se lance dans le football aujourd'hui je pense que, que le principal conseil que, que je peux donner aux personnes qui, qui veulent qui veulent devenir footballeur, on va dire déjà c'est d'avoir beaucoup de patience, chose que j'ai eu j'ai eu du mal du mal à faire et aussi travailler 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 beaucoup plus que les autres. On va dire que quand on a un chiffre dans la tête, il faut il faut y penser tous les jours. Quand tu te réveilles le matin, tu y penses jusqu'à ce que tu l'atteignes. Et surtout bah, il faut il faut travailler pour parce que il y a beaucoup de joueurs dans le monde et on va dire que, par exemple, pendant que toi tu dors, ça se trouve, il y en a qui travaillent. Et s'ils travaillent plus que toi, ça veut dire qu'ils vont avoir des temps d'avance sur toi. Et après, c'est toi et tes ambitions. Si toi, tu veux devenir euh, le meilleur joueur du monde, etc., il faut que tu travailles beaucoup plus qu'eux. Ça veut dire que même pendant les vacances, quand toi, tu vas vouloir aller chiller avec tes copains, etc., nanana, ils vont travailler. Tu vas croire qu'ils sont en vacances et ils vont être là en train de travailler. Pendant que toi, tu vas être là en train de profiter de tes vacances, rien faire, en attendant que la saison elle commence. Et c'est là, là qu'il ne faut pas tomber dans, dans cette routine de « je m'entraîne, je rentre dans la maison ». Non, c'est « je m'entraîne, je m'entraîne encore, je m'entraîne encore » jusqu'à ce que tout ce que tu fasses, eh ben, ça devienne un truc facile. Bah, écoute Mathieu, c'était un plaisir aujourd'hui de t'avoir avec nous. Euh, merci d'avoir partagé euh, ton expérience, un peu ton passé. Et on ne te souhaite que le meilleur pour la suite. En tout cas, euh, merci, merci de m'avoir accueilli. Ça a été un bon moment passé, passé avec, euh, avec vous tous. Et puis ça a été un plaisir pour moi de partager un peu mes anecdotes, euh, mes expériences, mes histoires, etc. Et euh, puis si certains peuvent les voir et ça peut aider à ne pas faire les mêmes erreurs que moi et à les aider par, dans le futur, dans leur choix, euh, bah pour moi c'est un plaisir. Et puis s'ils veulent rentrer en contact avec moi ou même avec toi pour, pour des questions ou quoi que ce soit, c'est aussi avec un plaisir. Moi j'aime ce que je fais et euh, si je peux aider les gens aussi c'est... C'est quelque chose que j'aime faire, donc c'est pas un problème non plus.